Ce soir, je m'adresse à vous. Vous qui subissez un régime dictatorial, vous qui vivez sous le joug d'un oppresseur et qui en avez assez de toutes ces répréhensions, alors j'ai la solution pour vous. La solution, c'est celle-ci. Essayez Félix Tshisekedi. Un homme discret, un homme efficace, adoptez-le et vous verrez. Vous verrez, il mettra fin à tous vos tourments et vos années de souffrance. C'est un produit miraculeux, mais c'est la solution vraiment radicale, la solution qu'il vous faut. Alors voilà, j'espère que vous écouterez mes conseils. En tous les cas, bonne soirée, merci pour votre confiance et puis à très bientôt. Au revoir. Toute la nation, c'est grand Congo, nous savons qu'il y a les élections. Faisons un choix, mais positif, pour éviter notre destruction. Nous voterons Tshisekedi Fadji, 100%. Nous voterons Tshisekedi Fadji, 100%. Fadji est ton choisi par Dieu pour développer notre Congo. Toute sa confiance est bien placée entre les mains de Dieu Tout-Puissant. Nous voterons Tshisekedi Fadji, 100%. Nous voterons Tshisekedi Fadji, 100%. Nous voterons Tshisekedi Fadji, 100%. Un candidat choisi, y a du Lombo. Il vaincra. Vaincra. Nous voterons Tshisekedi Fadji, 100%. Nous lui accordons un second mandat pour avoir un Congo meilleur. Notre armée était... Bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ou bonsoir. Là vous êtes Mbotanabino, Mande Kolabiso, Nyonso, Moyo Wenu. Bonsoir, ne badjibou bakeng chekoumalem bankoulou kimboa le ton. Justice natang le boal boabou. Hamoudjambo a se kizi ou a penzi. Moyanyou. Voilà, chers compatriotes, il y a un temps pour pleurer, mais il y a aussi un temps pour rire. Voilà, c'est. Ecclésiaste, on trouve ça dans Ecclésiaste, chers compatriotes. Alors, c'est Afrique Foot qui nous le dit. Pourquoi je dis qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour rire? Bien que c'est momentané, nous pouvons nous permettre de rire. Parce que cette guerre qu'on nous fait à l'Est, nous imposée par l'Occident, via le Rwanda, nous fait pleurer tous les jours. Le duel annoncé entre la RD Congo et la Mauritanie n'aura finalement pas eu lieu. Ce mercredi soir, au stade des Martyrs de Kinshasa, ce n'était pas un duel. C'était en sens unique. Alors, les Léopards n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires. 2-0. Un résultat logique, en somme. Tant les Mourabitounes, comme on les appelle, n'ont jamais existé dans cette rencontre. Yohan Wissa, qui faisait son retour depuis septembre, a été le facteur clé du succès congolais. La RDC se présentait en 4-2-3-1. Avec Kakuta en meneur de jeu
et Yohann Wissa en milieu offensif gauche. Les Morabitounes étaient, eux, disposés en 4-4-2. Alors, il y avait Khadim Diaw, à l'origine d'une controverse entre les deux sélections en mars, tenant sa place sur le côté gauche de la défense. Les Léopards dominaient globalement le premier acte. Ouais. Sans de réelles occasions à se mettre sous la dent. Comme souvent, les actions provenaient de Yohann Wissa. Très en vue pour son retour. Alors, Bangonda dans tous les bons coups. Wissa fait le show. Le pensionnaire de Brentford écrasait d'abord trop sa frappe à côté du montant droit de Babacar Niass, 23e. Puis s'entrée de la droite pour Cédric Bakambu, dont la reprise au premier poteau était contrée en corner, 26e minute. L'ex-Lorienté voyait ensuite sa frappe aux abords de la surface finir sa course dans les bras de Niass, après une légère déviation d'un pied mauritanien, 44 minutes. La première chaude alerte congolaise intervenait peu avant la mi-temps. Toujours par l'intermédiaire du natif de Villeneuve-Saint-Georges. Celui-ci manquait notamment de reprendre au second poteau, un corner botté de la droite, alors qu'il s'était présenté seul devant le but vide. 45e minute, plus 2 minutes en surplus à cause des arrêts de jeu. Alors, la délivrance arrivait finalement au retour des vestiaires. Oui, ça, c'est toujours lui et encore lui. Profiter d'une passe plein axe de Théo Bangonda, entré en jeu 7 minutes plus tôt à la place de Meshak Elia, 55e minute. Pour ouvrir parfaitement son pied droit et battre Niass sur sa gauche, en plein lucarne, 1-0 à la 62e minute. L'ailier gauche inscrivait ainsi son troisième but en 15 sélections avec les Léopards. Une réalisation qu'il célébrait avec le président de la République démocratique du Congo, présent dans la loge VIP, V-I-P, Monsieur Félix Tshisekedi. Bangonda porte le coup fatal. Alors, jusque-là, peu à leur aise, les Mauritaniens se signalaient comme rarement à l'attaque par leur nouveau but, par leur nouveau buteur, Aboubakari Koïta, lequel tirait en l'occurrence un coup franc lointain au-dessus à la 67e minute. En quête de l'égalisation sur corner, les hommes d'Amir Abdou se faisaient fatalement prendre en contre par Bangonda en fin de match. Le pensionnaire du Spartak de Moscou effectuait en effet une course de plus de 30 mètres pour dribbler le gardien et conclure dans le but vide. 2-0 à la 81e minute. Au bout du temps additionnel, Silas Mvumpa manquait l'occasion d'alourdir le score en enlevant sa frappe plein axe au-dessus, vers
la 90e minute plus 3 minutes de plus. Voilà, chers compatriotes, ils ont failli marquer 3-0. Ça veut dire que le jeu était dominé par les Léopards. Regardez comment ces Léopards fêtent avec le président de la République. Il est mon coach préféré, mon coach préféré. Merci. Un très bon coaching. Théo Messi. Théo Messi. Numéro 20, comme moi. Hein? Merci. Merci beaucoup. Ça va. Toujours chien. Merci. Merci les gars. Ça dépend en forme. Bon, moi, quand j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc, il y aura la prime présidentielle pour ce match. Le 20 parce qu'il est numéro 20 comme moi. Et Théo Messi. Il est mon coach préféré, mon coach préféré. Merci. Merci. Un très bon coaching. Théo Messi. Théo Messi. J'ai l'impression que
deuxième mi-temps, t'as beaucoup souffert. T'as besoin de reprendre du tout ce soir. Oui, on a gagné. Je compte sur toi. Toi, t'es dans la pièce. Ça va? Numéro 20, comme moi. Hein? Merci. Merci beaucoup. Merci. Bravo. Merci les gars. Ah, les enfants, je suis fier de vous. Bon, moi, quand j'ai l'habitude toujours de me laisser aller quand je suis heureux comme ça. Donc, il y aura la prime présidentielle pour ce match. Le 20 parce qu'il est numéro 20 comme moi. Et Théo Messi. Voilà, chers compatriotes, comme il est bon et doux d'avoir un président omniprésent, et comme il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. C'est en 3, chapitre 3, verset 4. Voilà, chers compatriotes, quand il y a deuil, il est présent, il va consoler, et même pour la nation, pendant ses discours, il demande une minute de silence pour les morts, ceux qui sont morts pour la patrie. Et voilà. C'est un président exemplaire. On n'a pas vu ces choses dans le régime précédent. C'est lui qui en a une contre-preuve. N'a qu'à m'exhiber. Hein. Quand est-ce que le sénateur, là, j'oublie même son nom, ce Rwandais-là de Kanambé. Il n'a jamais demandé à se lever pour observer une minute de silence. Jamais. Jamais. Voilà, chers compatriotes, c'est un temps pour rire, pour avoir la joie. Et ça mérite un pas de danse. Et sur ce, nous terminons ce flash informatif et nous disons que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.